Salut, salut la case. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau couteau que je viens de recevoir de chez la boutique Green Spirit Outdoor. Alors il s'agit du Ele Temagami, le couteau réalisé en partenariat entre la marque Ele et Listroot, The Survivor Man. Donc voilà quoi, un acier au carbone avec la petite encoche pour le fire steel, manche en bouleau huilé avec un petit passage paracorde. Voilà, une bonne prise en main, un tranchant vraiment extra. Bon, je vais essayer de faire un petit piège voilà pour tester ce couteau et puis vous donner mes premières impressions. Ah, ça coupe vraiment très fort. C'est vraiment Voilà, je vais reprendre tout à l'heure. Bon, la coupe à la volée, je pense pas que ce soit son point fort, étant donné que c'est quand même un couteau qui est très léger. Donc je vais continuer mon piège et puis je vous reprends après. Bon, mais voilà, hein. J'ai réalisé le piège par écrasement, combiné avec des pointes. Alors ne regardez pas trop le piège. Le piège, c'était que le prétexte pour tester le couteau, hein. Il n'est pas super bien réalisé. Là, il faudrait que ça soit plus court. Les branches soient plus courtes, mieux enfoncées dans le bois, que je prenne mieux mon temps. Mais bon, le but, c'est pas le piège. Le but c'était le couteau et je peux vous dire que le couteau ça taille sévère, un très bon couteau, une bonne prise en main, voilà, pas très cher, un couteau qui coûte quand même un peu plus de 100 €, voilà. Alors le déclenchement du piège, hein. Là pareil, hein, une ficelle, un piège, un déclencheur classique comme on a déjà vu, voilà. Donc l'animal arrive, tac, et voilà, il est percé par les morceaux de bois. Moi, bon là, je pense que j'aurais dû les faire plus courts. Le morceau de bois, bien sûr, il aurait fallu qu'il soit plus lourd. Plus il est lourd, mieux c'est. Bon, mais c'était juste pour l'utilisation du couteau, hein. Donc voilà,
encore une fois ma hachette, ma grande force. Voilà. Et c'est ma Gami. Voilà, alors les finitions du manche, ça pourrait être mieux, hein. Ça pourrait être, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Bon, j'ai pas un appareil performant pour vous faire voir, les rivets sont pas bien polis, sont un peu rayés. L'ajustement est tout juste correct, mais bon, c'est un couteau destiné à servir avant tout, et pas à mettre dans une vitrine. Donc voilà, là, la petite encoche. Alors l'étui, bon, l'étui, pas grand chose à dire, hein. Un étui traditionnel nordique. Ambidextre par contre, ce qui est pratique, moi je suis gaucher, et je le redis encore une fois, hein, la difficulté de trouver des étuis ambidextres. Bon voilà, écoutez, un abri aussi que je suis en train de construire, petit abri, je n'ai pas fini, voilà. Je vais tester ça prochainement, dès qu'il fera froid, recouvert de mousse. Dès qu'il fait froid, je teste ça la nuit pour voir ce que ça donne. Bon, il a plu ce week-end, donc c'est pas la peine. A plus, salut !